Eh bien bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à un petit jeu Devolver, enfin publié par Devolver. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous nous attaquons à... Cult of the Lamb. Enfin sur cette chaîne, on voit du Cult of the Lamb. Eh ben purée, il était temps. Eh ben, que vous dire, petit jeu indépendant qui est sorti l'année dernière, il me semble. Et... Oh là là. Et on se retrouve juste après que j'ai mis quelques petits paramètres, etc. Donc, à tout de suite. Eh ben donc. En français. Et nous voilà dans le jeu. Oh. Ok. Donc Cult of the Lamb, pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit jeu indépendant qui est sorti l'année dernière, il me semble, et du coup, bah, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur ça. Un jeu développé par Massive Monster. Ah oui, et du coup, c'est publié, ouais, par Devolver. Je n'y connais absolument rien, c'est une découverte totale. Se soumettre au sacrifice. Mais je veux pas me sacrifier. Devant nous se tient la dernière créature de son espèce. Amis, nous avons mis à mort toutes les autres. Grâce à, cet ultime sacrifice, la prophétie ne pourra jamais se réaliser. L'hérétique qui se tapit dans l'au-delà sera condamné à la captivité pour l'éternité. Et la vieille croyance sera protégée. Ne tuez pas, s'il vous plaît. Blin. Suis-je ? Moi, sûr ? Moi, sûr ? Y a quelqu'un pour me sauver ? Dieu ? Dieu, c'est vous, le dieu des moutons ? Approche. N'aie crainte, car bien que tu aies déjà rencontré la mort, j'ai encore besoin de toi. Ces stupides prélats pensaient pouvoir t'éloigner de moi, et pourtant te voilà. Je suis prêt à te redonner la vie, mais la vie est mort. Tout ce que je te demande, c'est de créer un culte en ton nom. Qu'en dis-tu? Avons-nous un accord? Oui, absolument. Oh oui, point. Absolument. Un pacte avec le diable. Voilà, et on crée un culte. Oui, on a un culte. On a un culte. On va niquer des mères. Oh. Oh. Oh purée. Oh c'est trop bien. Oh ce jeu est trop bien. Permet d'esquiver. Esquive. Oh là 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 là. Oh c'est trop bien. Nitrate, je m'appelle Arato. J'étais autrefois un porte-couronne, tout comme toi. Mais cette époque est bien loin derrière moi. J'ai été envoyé pour te guider. Nous nous trouvons au plus profond des terres de la vieille croyance. Nous courrons un grave danger. Ma mission est de te conduire en lieu sûr. La sortie se trouve un peu plus loin. Traverse ces bois et je te rejoindrai. Ok. Très bien. Esquive. Oh. Beaucoup trop violent. Qu'est-ce qu'il y a? Un coffre. Ouvrir l'inventaire. Qu'est-ce qu'on a gagné?
une pièce. L'or consume les cœurs et excite les désirs les plus fous. Une monnaie très utile. Ok. Ah, donc là nous avons plusieurs possibilités. Est-ce qu'on a une carte? Non. Eh ben, toujours tout droit. Oh, est-ce qu'il est beaucoup trop lent, insuffisant, si vous me permettez. Donne-la. Prêt. Donc on peut pas aller par là. Ok. Donc c'était pas par là. Ok, donc c'est un genre de roguelike. Roguelike. Avec son système de salle comme ça, ça fait très, très Hades. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites une vidéo sur Hades. Je serais très partant moi, pour une vidéo sur ça. Oh, plus de pièces. Une porte. C'est par là. Let's go! Nous sommes bientôt arrivés. Et regarde, ce malheureux est sur le point d'être sacrifié. Sauf cette pauvre bête, elle n'aura pas d'autre choix que de rejoindre ton culte. Ô puissant prélat de la vieille croyance, acceptez le sacrifice de cet âme misérable. Hé, hey, qui ose franchir les terres sacrées et interrompre notre rituel? C'est moi, Jojo. Bien joué, bien joué. Cela restera insuffisant. Oh. Bien joué, bien joué. N'aie pas peur, Billy. Je suis là pour te sauver. What the fuck? Par la magie de Satan. Accueillez votre nouvelle recrue. What the fuck? Nous voilà en sécurité. Tu as fait du bon travail. La couronne rouge te permet d'utiliser des marquages au sol pour parcourir de grandes distances en un claquement de pattes. Laisse-moi te conduire vers un vieux temple en ruine. C'est l'endroit idéal pour fonder un culte. Retrouvons-nous là-bas. Retour à la base. Youp. Hérétique, donc. Incroyable, en 3 minutes. Notre difficulté, recommandation des développeurs. On va jouer en normal. Ce lieu sacré, qui était autrefois mien, est désormais sous ta responsabilité. Cette vieille ruine est sur le point de... et le point de départ de ton nouveau culte. Nous avons du pain sur la planche. Commençons par enrôler cette pauvre âme et à l'accueillir dans son nouveau foyer. Tes adeptes peuvent collecter des ressources pour toi. Ordonne à celui de ramasser du poids ou de la pierre. Putain, c'est Animal Crossing. Billy. Je vous en prie, ayez pitié. Choix de l'apparence. On peut le modifier. Bah non, on va le laisser en ça. Choix de la couleur. Oh. Mon dieu, ce jeu qui peut créer le racisme. Non, on va le laisser. Je fais de la variation. Rejoins-moi. Croyance. Ok. Bienvenue dans ton nouveau royaume. Et tu vas t'occuper du bois. Grâce à toi, notre culte dominera le monde. Mais les adeptes ne peuvent pas se contenter de prier pour vivre. Ils doivent manger. Rassemble les ressources nécessaires à construire un feu de cuisine. Cela te permettra de préparer des repas. Ok, donc il faut du bois et de la pierre. Minecraft. Minecraft. Minecraft n'a qu'à bien se tenir. Et voilà.
Nourriture. Vos adeptes ont besoin de manger pour survivre. Cela vous, pour cela, vous devez leur préparer des plats. Si le niveau de satiété de votre culte en haut à gauche est trop faible, vos adeptes pourraient mourir de faim. Vous pouvez toujours trouver de la nourriture dans les donjons. Pour cela, privilégiez les routes passant par des lieux de récolte. Ok. Vous pouvez également construire une ferme en plantant des graines achetées ou ramassées dans les donjons. Ok. Est-ce qu'on peut cuisiner ? Non. Ah, on va pas aller par là. Il faut récolter des baies. Miam 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 miam. Cuisiner. Ah d'accord, c'est des espèces de petits QTE. Maintenant nous devons chercher un hôtel. Mais d'abord nous devons réunir plus d'un. Ouais. Il te suffit de mener des croisades dans les terres de la vieille croyance. Notre protecteur, celui qui a été emprisonné par les quatre prélats de la vieille croyance, chacun d'entre eux est le gardien d'une chaîne qui le garde captif dans le royaume de l'au-delà. Mais nous avons réussi à ouvrir plusieurs passages vers leur royaume. Il est de ton devoir de les traquer et de les tuer afin que notre protecteur puisse être libéré. Pars dès maintenant. Là-bas, tu trouveras des pièces et de nouvelles recrues volontaires. Et si elles ne le sont pas, tu n'as qu'à les convaincre par la force. Très bien. Très bien. Et ben, vous savez ce que ça veut dire? Let's go. On va y aller. On va aller. Oh, du caca. Vos adeptes tomberont malades si c'est insalubre. Si un adepte est malade, forcez-le à prendre du repos ou il pourrait mourir. Il permettra de se soigner. Accélère la propagation des maladies dans votre culte. Pensez à faire le ménage. Et à enterrer vos morts pour protéger vos adeptes de la maladie. Très bien. Ok. Porte verte. Donc j'imagine que c'est par là qu'il faut aller. Une prière. Oh mon dieu. Pas des rétros, Satanas. Let's go. Let's go. Trois cœurs. Ta 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 la la. Ta 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 la la. Ta 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 la. Lire. Arriver sur la terre, là, là. Ok, très bien. Ta 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 la la. Ta 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 la la. Ta 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 la. Bonjour. Gloire à l'agneau qui se verra confier le grand pouvoir pour libérer celui qui attend dans l'au-delà. Voici les cartes. Voici ce que les cartes m'ont montré il y a plusieurs vies de cela. Ou est-ce un événement à venir? Je tirais tes cartes maintes fois, l'agneau. Et pourtant, c'est une première. Prends ces cartes. J'en tirerai une nouvelle à chaque fois, à chacune de leurs rencontres. Les cartes t'octroient leur pouvoir. Quel pouvoir? C'est un mystère, et pourtant une vérité établie. C'est aux cartes de décider. Un cœur offre une promesse tenue. Le poisson inflige des dégâts de poisson lorsque vous frappez. Plus un cœur, plus la vie. Le destin s'exprime à travers les cartes. Personne ne peut nier cette réalité. Putain, ça fait très Hadès, hein. Mais moi, je suis client. Ah, on peut casser. Ça fait très Hadès, mais moi, je suis client de ce genre de jeu, en vrai. Du coup, pour moi, c'est un gage de qualité. Bon,
m'aurait pas. Je suis beaucoup trop puissant. Oh, le PS. De la bouffe. On va privilégier la bouffe. Petit montage en accéléré. Et voilà. Comment je me fais chier au montage? Est-ce que je peux... Ah, je peux pas revenir en arrière. Bon, pas le boss. Notre priorité, ça va être évidemment de faire des fers. Ouh, là, là, là. C'est risqué, mais j'aime bien. Malheureusement, insuffisant. Qu'est-ce que... Laissez-moi. Agnan. Comment est-ce possible? Nio, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés, et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, son pouvoir! Nio. Mais je suis plus fort que toi, minable Nio. Pars tant qu'il est encore temps. Ok. Hop là. Merci pour les sous-sous. Dis-moi, l'agneau, crois-tu en l'inaltérabilité absolue du destin? Carte de tarot, alors attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts, inflige des dégâts au poison dès que vous les frappez. Je prends ça. Le destin a parlé, l'écouteras-tu? Oui, sûr. Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant? Je me sacrifierai pour votre cause, ô puissant guide. Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge. Oh, un blob! Mais... Bien joué, mais cela restera insuffisant. Ouh, bien joué. Voilà. Bienvenue chez moi. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Oui, rejoins. Qu'est-ce que nous prenons? Des pépites d'or, on va prendre. Retour à la base. Hérétique vaincu. Les mécréants sont punis. Let's go! Tu as encore envie? C'est impressionnant. Et tu as même réussi à convaincre quelqu'un de rejoindre notre troupeau. Accueillons cette nouvelle recrue avant de poursuivre le travail. Bonjour toi. Je vous en prie, ayez pitié. Comment on va pouvoir l'appeler? On peut choisir son apparence. Non, on va pas... Je vais faire la couleur. On va le mettre en rouge et on va l'appeler Luan. Bah tiens, Luan versus Mario, let's go. Croyance, cynisme, gagne des niveaux. Paresse, oh bah, totalement lui. Bah voilà, let's go. Luan versus Mario, bienvenue.
Et toi, Luan, tu vas t'occuper de la pierre. Puisque notre ami est normalement censé s'occuper du bois. Les adeptes peuvent soit travailler, soit prier. Les adeptes qui sont en train de prier génèrent de la dévotion, que tu pourras ensuite récupérer. Mais pour récupérer de la dévotion, il te faut un hôtel. Et pour faire un hôtel, il faut... Je place un hôtel. Je construis l'hôtel. Alléluia, tes adeptes et toi peuvent maintenant prier pour toi. Voici un nouvel adepte, assigne-le à l'hôtel pour qu'il commence à prier. Récupère ensuite de la dévotion. Bienvenue chez toi. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai fidèlement tous vos enseignements. Très bien. Tu deviendras rouge. Et tu auras une marque sur toi. Et tu t'appelleras maintenant... Comment je pourrais t'appeler? Tu t'appelleras maintenant... Ménégrive. Bienvenue chez toi. Obéissance à peu parfait. Ménégrive, tu vas prier pour notre dieu. Collectez de la dévotion grâce à l'autel, vous finirez par débloquer de l'inspiration divine. À plus vos adeptes, plus priez, plus il s'est rempli. Et après, en plus, il s'est rempli. Ok, débloquez les constructions, via l'autel. Une fois que vous aurez collecté assez d'inspiration. Ok. Pouvoir les améliorations. Temple. Cadre. Pouf. Voilà. Oh. Et du coup, on peut débloquer le temple. Putain, ça va être bien. Comme jeu. Je continuerai à y jouer même en off. Parcelle agricole. Ok. Donc il nous faut tout ça de bois et tout ça de pierre. Ok. Let's go. Let's go. Minecraft. Plus vite, bande de chiens galeux. Go. Et là, il m'en faut encore un de pierre et on sera bon. Et il me faudra ensuite du bois. On va éviter de couper les grands arbres d'abord. Bon, si après ça revient au même. On va construire notre temple. Ça rame. On va éviter d'aller trop vers le bas alors si ça rame. Et on va se mettre là. Minecraft. On dirait Jeff Empire. Allez, construire. Let's go. Le temple est un lieu crucial où tu pourras prononcer des serments pour gagner en puissance. Tu pourras également y accomplir des rituels pour influencer l'esprit malléable de tes adeptes. Tu dois à tout prix maintenir la foi de ton culte. Si elle est trop faible, les adeptes pourraient se rebeller et quitter le culte. Tes adeptes sont tout oui. Montre-leur quel genre de guide tu veux être. Prononce un serment depuis le temple. Ok, mais actuellement là, j'ai d'autres trucs à faire. Ah, je peux pas. Bon, ben on va prononcer un serment. Mesdames et messieurs.
Au nom de la Desclaw Army. La force du troupeau, la foi de vos adeptes vous permet de gagner en puissance. Prononcer des serments vous permet d'obtenir de la foi qui vous sera utile pour débloquer des pouvoirs et des armes et des maléfices. Les adeptes avec un niveau de fidélité important génèrent plus de dévotion que vous... Plus vous aurez d'adeptes fidèles, plus vous débloquerez de nouveaux pouvoirs rapidement. Cœur des fidèles. Eh ben... Impressionnant. Tu as ça dans le sang. Je commence à comprendre pourquoi tu as reçu la couronne du... Enfin, le titre de porte-couronne. Pour guider ton culte, tu dois adopter des doctrines afin que tes adeptes t'obéissent. Retourne dans les terres de la vieille croyance, cherche des fragments de pierre de commandement, et tu pourras ainsi adopter de nouvelles doctrines. Eh ben écoutez, mesdames et messieurs, tout ça... Ce sera dans une prochaine vidéo. Sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos sur ce jeu. Moi, perso, si je fais pas ça en vidéo, je continuerai, très clairement. Écoutez, voilà. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Desclaw. Des bisous à tous et à la prochaine. Des bisous.